Et salut tout le monde, c'est Conquérant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Hearthstone, l'ouverture des 50 boosters Un'Goro. Donc voilà, je m'excuse d'avance si mon micro n'est pas très fort, j'ai que ça sous la main, je suis désolé. Donc voilà, on va pas tarder, on va commencer l'ouverture, c'est parti. Alors, nous avons une rare, deux rares, donc voilà. Ah, une rare dorée. Donc, Crit Guerre découvre un secret, hydrologue. Gutter Primal Run. Si vous avez contrôlé un autre murloc, vous en découvrez un nouveau. Provocation, Crit Guerre, rang 3 PV, Shaman. Donc, c'est gardien des sources. Surgisseur de vapeur, Crit Guerre. Si vous avez joué un élémentaire au tour précédent, ajoute gazier de flamme dans votre main. Et Destrier à pointe, donne plus 2, plus 10, plus 6 et provocation à un serviteur, quand il est détruit, invoque un stégosaure. C'est énorme. On va un autre, c'est parti, on enchaîne. Tac, 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 tac. Bon, là, j'ai un parité à 46 pierres. Refaire toxicité, donc inflige 2 points de dégâts, ajoute un élémentaire 1-2. Donc, élémentaire aligné, ajoute un 2 élémentaires 1-2 dans votre main. Ral Dragoni invoque 3 murlocs 1-1 et découvre une carte de classe de votre adversaire. Donc je vais essayer d'avoir au moins 3 légendaires dans ces 50 boosters. Oula, excusez-moi, il y a quelques petits bruits, j'ai mon frère à côté. Il fait de bordel. Bon, alors nous avons encore le Gator, le Grave Morsure inflige 2 points de dégâts. Un serviteur inflige 1 point de dégâts au serviteur adjacent. Donc ça c'est pas mal, enfin moi je trouve que c'est pas mal, après il faut voir. Donne +1/+1 à un serviteur allié, puis gagne un montant. Ouais, c'est encore trop tôt pour juger les cartes. Découvre un élémentaire si vous avez joué un élémentaire au tour précédent. Donc, je découvre plus ou moins les cartes. Flamantin, donc ajoute un élémentaire dans votre main. Gèle un adversaire. Ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Une de 1, élémentaire d'air, ouais, bah, ça passe. Furie des vents, donc guette tempête et secret, quand vous votre adversaire en s'en sort, vous nous envoyez une copie qui coûte 0. Donc on enchaîne, on enchaîne. Ouais, j'ai pas regardé si j'ai des légendaires, bon de toute façon j'ai rien du tout. Découvre un serviteur qui coûte 8 cristaux ou plus, puis l'invoque. Donc sympa. Furie des vents, 4-8, adaptation, si vous avez joué un élémentaire au tour précédent, inflige 2 points, ajoute un élémentaire, confère provocation si vous contrez au moins 2 autres serviteurs. Okay. C'est parti, on continue cette ouverture. J'espère qu'il sera chanceux quand même. Hein, pour le moment, il y a... Ah, une commune dorée. Alors vous piochez un secret de votre deck. Réduit un cristal le coût des élémentaires dans votre main. Invoque 2 recrues de main d'argent. Bon, ça j'en avais eu. Et adaptation si vous contrôlez au moins 2 serviteurs. Continue. Une épique. C'est parti. Alors, l'épique remplace votre deck par des copies. Découvre une carte. Donc, je l'avais déjà. J'ai ouvert quelques boosters avant d'entamer mes 50 boosters. Lui confère 2 adaptations, donc celle-là on l'a eu en doré, la récompense du 5 avril si je me trompe pas, celle-là on l'a vu. Si vous avez joué un élémentaire au tour précédent, il a adaptation. Okay. Allez, une petite légendaire, non. Okay. Voilà, donc on a Dun +6, ajoute une bête aléatoire dans votre main, ne peut pas attaquer, ouais bon super. Infligez 2 points de dégâts, ajoute un élémentaire 1-2 dans votre main. C'est parti, la suite. Hop. Donc, 8-2 camouflage, pas terrible. Si vous avez un serviteur avec 5 attaques ou plus dans votre main, ah, ça peut être pas mal. Ajoute un tranche pétale dans votre main et inflige un point de dégâts. Tranche liane, une fois que votre héros a attaqué, invoquez 2 mains d'argent, ça peut être pas mal. Gèle un adversaire, ouais, le coup de 7. Donc on en est déjà à nos 10 premiers boosters. Est-ce qu'il va avoir une légendaire? Eh pas non. Donc j'ai un adversaire, pour faire provocation. Hop, ça on a. Bon, on a eu tout. On a tout. Donc on enchaîne.
même pas voir les gens. J'en ai eu une quand même dans les 8 premiers boosters que j'ai ouvert, que j'ai gagné avec des bras de fer et tout ça, les 3 du jour. Une épique. Alors, faites passer l'attaque d'un et les PV d'un serviteur à 10 ou à le coup de 8, c'est pas fameux, enfin, il faut voir. C'est terrible. Alors, une rare. Deux rares. Ah, une rare dorée. Choisis un serviteur allié et on invoque une copie. Une copie, donc un ver de terre. Surgisseur de vapeur. Alors, si vous jouez. Ajoute un geysir de flamme dans votre main. Ok. Donc, il faut toujours jouer des éléments. Allez, une légendaire, même pas. Même pas une légendaire. Bon, alors, râle de provocation, râle d'agonie, place un navre-corne, 6-9 provocation dans le deck, découvre un secret, invoque deux recrues humains d'argent, pareil, de la vie. Ah, une légendaire, alors attention, Chérazine, fleur putrescente, si je me trompe pas dans la prononciation, râle d'agonie se met en sommeil, jouer 4 cartes en un tour pour réanimer ce serviteur. Ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être. Non, pas de légendaire d'affilée, c'est dommage. Alors, nous avons Dame au cire cruel, Guetteur, Mammouth. Pour le moment, des cartes bien classiques. Invoque un serviteur en 1, vous pouvez défausser. C'est parti. Rien du tout. Donc déclencheur râle d'agonie d'un serviteur allié 5-1. Bon, c'est pas pratique pour la quête du druide. J'aimerais bien avoir quand même une quête dans ces 5 serviteurs. Ça serait vraiment cool. Bon, pour le moment, j'en suis à un légendaire. Un légendaire, Flamantar. Faire bien classique. Bon, ben je pense pas que j'aurai d'autres légendaires. Alors, Brage, Shieldstore, Verdoyant. Ok. Ah, une commune dorée. Ah, bah, une épique. Détruit un serviteur. Ok. Bon, ça fait un petit serviteur pour 5 et ça détruit. Bon, ça passe, je pense. Provocation, si vous contrôlez au moins 2 autres serviteurs. Oui. Hop, on l'avait eu tout à l'heure. Normal. Hop. Je pense pas que je l'aurais, mais une petite légendaire dorée, ça serait vraiment sympathique aussi. Alors, c'est parti. Alors, dès choisir un serviteur, et ça on l'a vu, gagne 5 points d'armure pour 1 de mana. Je préfère quand même garder la 3 de mana pour piocher une carte supplémentaire. A voir. A voir. Pour que le petit Deathstone, si cette carte elle pourrait être vraiment sympa, ne peut pas attaquer, donc etc. Ouais. Ah, une rare dorée, donc donne +1/+1, oui, on l'a déjà eu tout à l'heure. Donc, on peut continuer. Comment faire de la poussière, tout ça, parce que les cartes en triple, je pense que j'en ai pas mal. Une épique, donc c'est parti. Épique, alors, confère à l'agonie, renvoie cette carte dans votre main. Donc, je pense que cette carte peut se garder, je connais pas encore les nouveaux decks. À voir. Alors, un fiche 3 points de dégâts, un serviteur invoque 3. Oh, si, ça peut être. Oh non, elle est tout simple. Il faudrait pas. Hop, donc tac. Alors, une fois que ce serviteur a attaqué, le gel. Ouais, c'est bien. Ah, si, ça pourrait servir pour un. Oh, pour l'aventure héroïque de Nefarian, par exemple. J'en suis bloqué pour Max Ramas. Je vois que ça. Gagne 5 points d'armure, ouais. Bon, j'ai rien d'intéressant encore. Une épique, allez, une épique. Qu'est-ce que j'ai en épique? Je l'ai en 3 exemplaires, c'est pas mal. Il me reste 20 boosters, allez, une petite légendaire, s'il vous plaît. Non, je suis quand même servi au niveau des rares dorés. Donc j'ai la deuxième madame, que j'avais déjà un exemplaire. Ah, je pense que je vais pouvoir faire pas mal de petites cartes, voilà, pas de légendaire. Place un raptor 4-3 dans votre deck, ouais. 6, je sais pas si cette carte elle pourrait se jouer quelque part, faut voir, comme d'habitude. Donc c'est parti avec la quête chasseur sûrement.
Ah, une légendaire. Et je vous vais en premier, non, c'est pas grave. Élise la pionnière. Alors franchement, celle-là, je la voulais, juste pour le fun. Ben voilà, je l'ai, donc je suis assez content. Franchement, voilà. Donc une petite légendaire, la deuxième. La troisième, si on compte les 8 boosters que j'ai ouvert hors vidéo. Voilà. J'étais un peu pressé aussi, je dois vous l'avouer. Comme tout le monde, hein, je pense. Voilà. Donc 4. Alors provo. Wouah, elle est pas mal celle-là. 5 onges autour de l'adversaire, c'est cool ça. Donc voilà, j'ai une légendaire, je suis assez content, je l'ai ouvert en première. Bon. Je suis désolé. Si vous voulez le suspense. Voilà. Bon, une rare. Rare dorée, non même pas. Donc ouais, vous piochez une carte, on ajoute une copie dans la main, donc ouais. Elle reste assez connue, celle-là. Tac 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 tac. J'essaie de faire au plus vite pour vous, hein, que ça soit pas trop chiant non plus. Donc pour moi j'ai fait 4 communes, je m'arrête vraiment aux cartes. Ah, une commune dorée et une épique. Alors ce paquet était cool. Invoque des copies à vos serviteurs blessés. Invoque des copies. Ah ok. Donc je vois le truc. Ajoute une bête aléatoire dans votre main. Donc ça, ça peut être... Allez, une petite quête s'il vous plaît. Non, bah, tant pis, c'est pas grave, on a l'habitude. Tac. Que des cartes. Donc deux rares, adaptation recrutement. Voilà, c'est... je crois que c'est donneur. Oh mais encore. Bon, la quête du guerrier. Pas. Je suis désolé d'avoir cliqué trop vite. Hein, voilà. Je m'y attendais vraiment pas. Donc on va ouvrir le reste. La quête du guerrier. Franchement, ça me va. Hein, je dis pas. On a eu 3 légendaires, 4 en comptant mes boosters ouverts hors vidéo, sinon ça en fait 3. Voilà, donc c'est parti. Franchement, je suis pas déçu, hein, pas déçu du tout avec tout ce que j'ai. Sachant que, avec la quête. Avec la quête. Comment je ne sais plus du coup. Bah, je sais plus ce que je disais du coup. Ah, une épique intéressant. Hop. Donc alors transforme vos cristaux de mana. Ah oui, celle-là je la trouve chelou. Suffit de placer la carte, réduit au silence tous les serviteurs de deux et hop après bah, on se retrouve petit engrenage capitulé. Bon après ça peut être joué dans les deck fun, ça peut être sympa en effet. Parce que l'adversaire il peut juger deux choses, soit vous voulez détruire et vous récupérez votre mana, soit il est laisse en vie et il prend. Ça peut être assez marrant. Mais rare ça... Ah, rare doré, donc cri de guerre découvre un élémentaire si vous avez joué un élémentaire. On l'a déjà eu. Donc il reste 2 paquets. Est-ce qu'on va avoir une légendaire dans ces 2 paquets? Maintenant il en reste bien 2. Est-ce qu'on va avoir une légendaire? Portez-moi chance s'il vous plaît. Hop, hop, une épique. Bon, même s'il n'y a pas une légendaire, je vous pardonne, il y a une épique. Qui est tunnelier cliquetant. Donc sort, découvre un sort infligeant, inflige à votre héros un montant de dégâts au, équivalent au, au sort. Enfin, c'est démoniste, ça me donne pas, mais c'est bizarre. Allez, est-ce qu'il va avoir une petite légendaire? Pas là. Non plus. Non plus. Une rare. Bon, il a rien. Ok, ce n'est pas. Donc, voyons voir combien ça nous a fait de poussière, à peu près. C'est parti. Donc, 1015. Bon, alors, il y a 16 rares, 119 communes et une épique. Bon, voilà, ça nous fait. Voilà, 3185 de poussière. Ce qui me suffit largement. Donc, voilà. Je vais vous laisser là-dessus.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter ou à partager si cette vidéo vous a plu. On peut dire que vous m'avez porté chance, hein, et je vous en remercie. Et je vous dis bye tout le monde. Allez, salut!